receveur content, vicaire général du diocèse, révérend père, membre du presbytérium du dit diocèse, cher diacre, distingué membre des instituts de vie consacrés, chers séminaristes, sœurs et frères dans le Christ, membres du peuple saint. Ineffable est notre joie d'être convoqué par le Père auprès de son Fils Jésus, sous la mouvance de l'Esprit Saint, pour célébrer son nom, le prier et le magnifier à travers l'Eucharistie. Notre satisfaction est encore plus immense, puisque venus de tous les horizons du diocèse, nous sommes rassemblés autour de l'évêque et de son presbytérium pour célébrer notre foi dans le Seigneur qui fait de nous un peuple choisi et aimé, et ainsi mettant sur nos chemins des pasteurs pour nous enseigner, nous gouverner et nous sanctifier. Aujourd'hui donc, nous sommes en liesse. C'est la fête et c'est la messe chrismale au cours de laquelle l'Église nous invite à célébrer la fête du sacerdoce. Cette messe nous rappelle le jour où le Christ a partagé son sacerdoce à ses apôtres et par là à leurs successeurs, les évêques et leurs collaborateurs immédiats. Au cours de cette célébration, les prêtres auront à renouveler leur promesse sacerdotale, signe de leur unité et leur fidélité au Christ, qui lui-même détient la plénitude du sacerdoce, et à l'évêque, qui pour sa part a la plénitude du sacrement de l'ordre. En outre, l'évêque procédera à la consécration de l'île destinée à l'onction des malades et celle destinée à l'onction des catéchumènes, puis il consacrera le cinquième utilisé pour les sacrements à caractère. En cette circonstance, l'ensemble des textes que la liturgie de la parole soumet à notre méditation nous laisse entrevoir que nous sommes un peuple saint, un peuple choisi et libéré par Dieu. Ce que Jésus prend le soin d'expliciter dans l'évangile de Saint-Luc, tout en se dévoilant comme l'envoyé du Père, celui qui nous apporte la délivrance. Sœurs et frères bien-aimés, tout au long de cette Eucharistie, prions les uns pour les autres, d'une façon spéciale pour notre Église, pour les prêtres, afin que configurés au Christ grand prêtre, qu'ils s'exercent de mieux en mieux leur ministère. Demandons au Seigneur de faire fructifier en nous l'onction reçue de l'Esprit Saint le jour de notre baptême, que sa parole s'accomplisse dans nos vies et que nous devenions ses témoins authentiques. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu notre Père qui nous rassemble ce matin autour de son autel pour célébrer la fête du sacerdoce. C'est Dieu qui a fait de nous en son Fils Jésus un royaume de prêtres. Rendons lui grâce, bénissons son Saint-Nom et demandons-lui enfin de nous donner la grâce d'un cœur contrit et pardonné. Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais Yeah.
Et qui vient le souverain de l'univers.